Plop, plop, aujourd'hui je te propose de découvrir les 7 plus grandes tours du monde. Ces tours sont toutes plus ou moins récentes et défient les lois de la gravité en culminant à des hauteurs impressionnantes. Achevé il y a déjà 40 ans, l'édifice de Toronto s'élève tout de même à une hauteur de plus de 553 mètres. La CN Tower canadienne, achevée en 1976, est ainsi le plus haut gratte-ciel de tout le continent américain et un lieu touristique très prisé. Dédiée à l'origine à la radiodiffusion, la CN Tower constitue aujourd'hui la deuxième plus importante tour autoportante au monde derrière la Burj Khalifa saoudienne. Dans la province de Guangzhou à Canton, la capitale, la tour éponyme culmine à une hauteur de 600 mètres. Achevée en 2010, la tour de télévision et de tourisme de Canton est d'une forme hélicoïdale et comprend un musée, un centre commercial et des restaurants pour une capacité d'accueil de 10 000 visiteurs. Complexe unique disposant à son sommet d'un immense cadran de 40 mètres de diamètre, l'Abraj Al Bayt Towers est situé au cœur de la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite. Avec son horloge géante 6 fois plus grande que celle de Big Ben à Londres et ses 601 mètres, la tour permet aux fidèles d'attendre l'heure de la prière grâce au cadran visible jusqu'à 17 km de distance de jour comme de nuit. Achevée en 2015, la Shanghai Tower mesure 632 mètres et dispose de 125 étages et de 5 sous-sols. Sur une superficie de 420 000 m², la tour de Shanghai a été pensée comme le symbole du dynamisme chinois et intègre un parc à l'intérieur de ses bâtiments. Édifice inauguré en 2012 destiné à la diffusion des programmes télévisés et radiophoniques, la tour Skytree de Tokyo culmine à 634 mètres pour 28 étages. Financée par le groupe Nippon NHK pour la modique somme de 65 milliards de yens, la tour de communication abrite également une galerie panoramique à près de 450 mètres de haut et est visitée par plus de 25 millions de curieux chaque année. Plus haut édifice en activité avec une hauteur de 829 mètres et 163 étages, la tour Burj Khalifa de Dubaï est l'une des constructions les plus visitées des Émirats Arabes Unis. Construit par le bureau d'architectes Skidmore, Merrill et Owings, le gratte-ciel fait office de bureau afin de former un vaste projet de quartier d'affaires au sein de Downtown Burj Khalifa. Avec le 41e étage déjà achevé et des travaux qui ont débuté en 2013, la Kingdom Tower de Jeddah en Arabie Saoudite dépassera de loin la hauteur de toutes les tours en activité dans le monde. Avec la barrière symbolique des 1000 mètres franchis, celle-ci dont la livraison est prévue en 2022 sera le plus haut gratte-ciel jamais construit et dont le coût dépasse déjà les 5 milliards de riyals saoudiens. Comme d'habitude, vous pouvez me dire quel tour du top vous avez préféré en commentaire juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs aussi vous abonner à la chaîne YouTube et mettre un like à la vidéo.